Je suis Laurent Deverlange, le fondateur et le PDG de la société Caverne Vic, société que j'ai créée ici en 2011. Depuis la création de la société, j'ai cherché une solution pour couvrir les bassins de façon à protéger les poissons de la lumière. Et j'ai trouvé cette solution grâce à l'installation des panneaux photovoltaïques. Vincent Laribe, je suis directeur du développement de Reden en France depuis maintenant 2 ans et demi. Donc le principal défi, c'est lors du design. Donc la première chose qu'on fait quand on se met autour de la table avec Laurent, c'est de définir un projet qui va répondre à ses attentes. Donc c'est pas commun, ici on est sur une installation qui n'est pas orientée plein sud. On a des panneaux avec une inclinaison relativement faible et il s'agissait de couvrir l'intégralité de la structure. La deuxième chose sur l'adaptation sur le design, c'est la portée. Donc la plus longue portée, on va se retrouver au-dessus des bassins avec une portée de 26 mètres. Donc ça crée des vraies contraintes de structure. Donc on a dû s'adapter, faire un design adapté qui est suffisamment résistant. Les avantages de la couverture sont multiples pour les poissons. Déjà au niveau du stress lumineux, ils ont beaucoup moins de lumière. Le réchauffement climatique également sur le bassin est beaucoup moins important. Sur un bassin d'une longueur comme celui-ci qui fait 180 mètres de long, avec un renouvellement d'eau toutes les 5 heures, en 5 heures l'eau elle a le temps de prendre 2 degrés. En fait en été ça peut être beaucoup puisque à l'entrée, on peut atteindre 28-30 degrés. Ça fait 32 en sortie, ce qui est énorme pour un esturgeon. Donc cette couverture a permis de réduire à zéro l'impact de la lumière sur le réchauffement. Évidemment, de réduire de beaucoup également l'impact de la lumière sur le stress du poisson. On a également des avantages, évidemment, pour les salariés, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent travailler dans un univers clos et surtout protégés de la pluie pour l'environnement, puisque dans notre bilan carbone de la société, qui est de 9000 tonnes en 2022, le dernier calcul, c'est aussi grâce à la partie autoconsommation électrique que l'on produit ici, qui nous fait économiser à peu près 150 tonnes par an. Lorsqu'on a rencontré les plusieurs partenaires, puis qu'on a choisi Reden pour faire ce projet, on a été confronté à de nombreux défis, surtout du fait qu'on soit les premiers finalement à faire ce genre de projet. Il y avait eu un projet en pisciculture de truites dans le passé, mais il n'y en avait jamais eu en esturgeon. On a tout fait lors de l'installation pour adapter tout ça. Donc deux exemples que je peux vous citer, c'est l'installation de filets. Donc on a eu des filets, des doubles filets d'ailleurs, des filets au niveau de la toiture pendant la construction, un second filet juste au niveau des bassins. L'objectif, c'était d'empêcher toute chute d'objets, et ça, on est capable de l'empêcher relativement facilement, mais de la limaille également. Quand on va faire un trou dans la tôle, il va y avoir de la limaille de fer. L'objectif, c'était vraiment d'avoir aucune limaille qui tombe dans les bassins, puisqu'on ne sait pas comment les poissons vont réagir. On a voulu prendre aucun risque, donc c'est un coût, toute cette adaptation, mais on a mis ça en place. Et puis, il y avait également les contraintes des poissons, puisqu'on a creusé des pieux de 15 mètres de profondeur pour ancrer ces 180 poteaux. Pour ça, il fallait le faire à une période où les poissons étaient peu sensibles aux vibrations, c'est-à-dire l'hiver, quand la température était en dessous de 10 degrés de l'eau. Et donc nous, on a calé notre planning de travaux pour perturber le moins possible les poissons. Et donc on a effectué donc, les forages pour les micropieux ont été effectués autour du mois de janvier-février pour éviter de perturber les poissons. Donc on s'est vraiment adapté à notre environnement pendant ces phases-là de design et de construction. L'impact de la couverture photovoltaïque sur l'élevage est évident en termes de qualité de vie des poissons, de couleur des poissons, de bien-être des poissons. Après, l'impact sur la qualité du produit fini est beaucoup plus difficile à mesurer. C'est comme quand vous faites un vin, si vous faites tout pour que votre vigne soit en bonne santé, vous labourez avec un cheval, vous êtes en bio, ça ne veut pas pour autant dire que vous aurez le meilleur vin. Et en fait, nous, ce qu'on a considéré, c'est que si on donnait à la nature, elle nous le rendrait, elle nous donnerait un bon produit. Ici, Caviar de Neuville, qui a fait partie des précurseurs, on est sur la plus grande installation en France. Il y en a d'autres depuis et il y en aura de plus en plus. Oui, aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de montrer qu'un projet comme ça peut être gagnant pour tout le monde. Finalement, nous, ce qu'on voulait, c'est de l'ombre. On a eu de l'ombre. Reden, ceux-là, ils ont installé des mégawatts. En fait, tout le monde a été gagnant dans une opération du poisson au contribuable.